Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour faire une grosse revue et un petit concours avec le site Banggood. Donc Banggood, c'est un site chinois basé en Chine qui est vraiment pas cher. Il y a de tout sur ce site, mais vraiment de tout. Et il a été vraiment très généreux avec moi, donc j'ai pu pas mal tester pas mal de choses quoi. Donc je vais vous présenter tout ça et ensuite je vous parlerai de ce petit concours. On va commencer par les accessoires, donc j'ai pris des colliers, mais qu'est-ce que je suis contente, ils sont trop beaux. Je vous présente d'abord celui-ci, donc celui-là il est vraiment très joli et tout ce que je vais vous présenter comme collier sont de très bonne qualité. Il va vraiment très bien, il est très joli, c'est pas mon préféré de tous, hein, mais il est vraiment joli quand même, il fait beaucoup d'effet. Ensuite j'ai pris ce petit collier qui est très joli et j'ai pris le même en énorme aussi, mais celui-là j'aime bien parce qu'il est assez petit, il va bien. Le même en plus gros, alors lui je l'ai reçu, je me suis dit mais il est énorme et en fait vous allez voir, il va trop bien, il fait un effet, par contre il fait pas mal de bruit mais il est vraiment trop beau, c'est vraiment mon coup de cœur. Je vous montre de suite, déjà sur le site je l'avais vraiment trouvé trop beau, mais en vrai, comment vous dire, il est, mon dieu qu'il est beau, mon dieu qu'il est beau, ah, je vous jure, j'ai jamais eu un collier aussi beau de ma vie. Je l'adore, mais je pense que vous allez souvent me voir avec parce que vraiment, qualité super. Par contre, quand je l'ai reçu, vous voyez, entre chaque truc, vous avez une petite boucle qui tient. Il en manquait certaines, mais c'était dans le sachet. Donc, c'est facile à remettre. Donc, pas de soucis. Et vraiment, les filles, je vous conseille vraiment. Le prix de celui-ci, je vous ai pas dit les prix, j'ai complètement oublié. Mais celui-là, il coûte 6€. Le gros avec les pièces, 8,10€. Le plus petit, 4,26€. Et le collier avec les perles bleues, 5,25€. Ce qui sont vraiment pas chers et de très bonne qualité. Donc vraiment, les colliers, je vous recommande vraiment. Ensuite, donc là, on va passer cosmétique. Donc cosmétique, je sais pas vous, mais moi, je n'achète... j'ai jamais rien acheté, en fait, sur les sites chinois. Et là, je me dis, on va tester, c'est l'occasion. Donc, je me suis pris un lip liner pencil. Je l'ai utilisé pour mettre mon rouge à lèvres. Je pensais que ça allait être un peu plus dans les orangés. Sur le site, ça me paraissait un peu plus orangé, mais bon, c'est plus dans les roses. Mais bon, je n'en ai pas de crayon pour les lèvres. Et j'avoue quand même que c'est assez pratique pour mettre le rouge à lèvres. C'est un peu, on peut un peu plus vraiment définir la bouche, quoi. Donc vraiment, ça va. Il est un peu sec, mais sinon ça va. Ensuite, donc là, erreur de la part du site. Je voulais me prendre une palette de blush. Ils se sont trompés. Vous allez voir, ils m'ont envoyé une palette de correcteur. Elle est très bien, hein, j'ai un peu testé. La couvrance c'est bien, par contre je pense que la tenue n'est pas bien du tout. Enfin je l'ai vu sur mon poignet, en fait que c'est pas resté bien longtemps. Mais bon voilà, franchement je sais pas si je m'en servirai. C'est dommage, hein. Je me suis pris des chaussures, donc des baskets. Des styles Converse, hein, c'est totalement les mêmes quoi. Et je suis vraiment très agréablement surprise parce que... elles sont, je les ai déjà mises et tout, bon, elles serrent un peu, au début vraiment, elles serrent même beaucoup. Il faut vraiment que la chaussure se fasse au pied, mais elles sont vraiment très bien. Vous pouvez le voir, franchement, j'ai rien à redire, à part si ça. Ça par contre, je trouve que ça fait con. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de le gratter, de l'enlever, parce que c'est vrai que bon, il aurait fallu qu'il y ait moi là derrière. J'avais pas des baskets qui passent partout comme ça, et ça, je suis trop contente. Ensuite je me suis pris un bonnet pour cet hiver, donc c'est un très joli bonnet que vraiment de très bonne qualité, il n'y a rien à redire, épais, je vais vous le tester. Voilà, j'ai la touffe, hein, donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Là j'ai le bonnet tellement j'ai deux cheveux, là il tient même pas quoi. On fait ce style là quoi. Enfin, je suis super contente, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup, vraiment. Il coûte 4,72€. J'ai voulu tester, prendre un sac. Je me suis pris ce sac. Franchement, agréablement surprise aussi. J'ai la première fois que je commande un sac chez des sites chinois. Et vraiment très bien. Vraiment. Après, bon, ce que je trouve un peu qui est dommage, c'est voilà, vous avez des grosses fermetures et en fait, vous avez des trucs écrits en chinois, quoi.
si on voit bien. Donc ça c'est dommage, mais bon, ça se voit pas de loin, ça se voit pas. J'aime beaucoup, vraiment. Et il coûte 24,61€. Et pour finir, on va passer aux vêtements. J'ai choisi un poncho que j'aime beaucoup. Par contre, tous ces habits-là, quand je les ai reçus, ils avaient une odeur, mais une infection, vraiment. Donc je les ai tous lavés parce que c'était vraiment horrible. Même le sac aussi, il avait une odeur, ça puait vraiment. Mais les pulls, je me demande comment ça se fait qu'il y avait cette odeur, quoi. C'était infect. Pour ce poncho, super, qualité super. Mais là, ouais, il a une texture assez bizarre et c'est fin. Hein. Ça tiendra pas trop chaud, je pense. Il faut le mettre par-dessus un pull ou quoi. Enfin, c'est plus pour l'automne, hein. Plus pour l'automne. Hein. Mais il est vraiment très joli. Après, je savais pas trop comment le mettre, si lever entre les jambes ou sur les côtés. Je trouve que les deux, ça va assez bien. Il est au prix de 9,47€. Donc attention, les habits ne sont vraiment pas chers sur ce site. Hein. 9,47€, quoi. Ensuite, un pull noir. Ça, je sais pas pourquoi j'ai choisi, parce que je sais pas, il est... bon. Et il coûte 16,10€. Moi, je vous le conseille pas pour 16,10€. Voilà. Parce qu'il est... Je peux pas dire, après la forme est bien, mais je sais pas, cette matière qui est bizarre. Ensuite, un pull blanc qui est très joli, qui est assez fin et qui est transparent, c'est dommage. Il est en fait pour exprès pour mettre l'épaule dehors ou même un petit peu les deux. Je l'adore complètement. Lui vraiment je l'aime beaucoup. Par contre je n'ai pas le prix parce que je vous expliquais un peu. J'avais choisi une veste et il m'a envoyé deux pulls à la place. Donc bon, j'ai pas les liens ni rien, donc je pourrais pas vous dire le prix. J'essaierai de le chercher quand même, ou un qui ressemble, que je crois savoir, je chercherai pour vous mettre le lien quand même. L'autre pull qu'il m'a envoyé aussi, que j'avais pas choisi, alors lui c'est un truc qui a vraiment, qui est basique de chez Basique. Il est un peu court, c'est ni crop top ni je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ouais, non, après je le mettrai aussi parce que je pense quand même qu'il peut faire joli avec un collier ou enfin ça passe toujours ces choses simples comme ça, mais il est vraiment pas exceptionnel et je n'ai pas le prix non plus. Et un dernier, donc ça j'adore hein, mais j'en suis vraiment fan, c'est un leggings avec marqué workout, donc ça veut dire faire des exercices hein. Enfin, je suis allée voir sur Google parce que je savais pas, mais ça veut dire faire des exercices hein. Et j'ai adoré pour faire du sport, je trouve ça génial, donc j'espère que ça va me motiver à faire du sport. Parce que là j'en ai bien besoin. C'est taille unique ça. Et moi je fais du 36, des fois 38, ça dépend. Il est vraiment bien extensible. Donc je pense que même un 38, vous pouvez y rentrer. Et je fais 1m60. Donc voilà. Mais vraiment super. Donc voilà pour la revue. Maintenant je vais vous parler de ce petit concours. Alors c'est le site Banggood qui m'a proposé de faire un concours. Donc moi tant que je peux vous faire gagner des trucs, bien sûr je dis oui. C'est un concours qui se passe sur Instagram, sur mon Instagram, je vous mettrai le lien. Toutes les conditions, je redirai les conditions en barre d'infos. Je suis désolée pour celles qui n'ont pas Instagram, mais maintenant les concours sur YouTube sont interdits. Donc tout se passe sur mon Instagram. Il y aura 3 gagnants qui gagneront 2 produits. Donc ce qui a gagné c'est un sweat rayé qui est très joli, j'adore d'ailleurs. Un jeans, des bottines, une grosse écharpe, un collier et des pinceaux. Vous irez sur mon Instagram et sous la photo du concours, vous me direz les 2 produits que vous préférez. Donc vous en choisissez 2 et je mettrai les liens en barre d'infos pour que vous allez voir quels sont ces produits. Vous me mettez les 2 que vous préférez et je ferai un tirage au sort. Le concours démarre à partir d'aujourd'hui et finira le 5 décembre. Voilà pour ce petit concours. Relisez bien les conditions dans ma barre d'infos sous ma vidéo. Je vous souhaite bonne chance à tous et plein de bisous.